Pendant toute sa création, la Terre a accumulé une énergie considérable sous son écorce. Depuis ce temps, elle cherche par tous les moyens à refroidir son cœur et à libérer cet excès de chaleur. Cette force contenue est évacuée en partie par des phénomènes volcaniques hors normes, qu'on appelle des points chauds. On commence tout juste à les comprendre aujourd'hui. Le noyau de notre planète expulse régulièrement d'énormes quantités de magma qui remontent se déverser en surface. Ces zones du globe, où l'activité volcanique peut durer plusieurs dizaines de millions d'années, sont les points chauds. Ils peuvent apparaître n'importe où sur la Terre et sont capables de faire naître des montagnes, des îles, des archipels et des pays entiers. Ils transforment le paysage terrestre. Depuis que la vie est apparue sur notre planète, ils ont aussi été des acteurs majeurs de l'évolution. Les gaz, la cendre, et le sang vermeil qui s'en sont échappés ont provoqué des extinctions massives d'espèces. Pour comprendre la puissance et l'impact que peuvent avoir ces points chauds, il faut remonter le temps et suivre le parcours d'un seul d'entre eux. Le dernier, qui a radicalement changé la face du monde, a laissé une empreinte gigantesque de sa naissance. Au nord-ouest de l'Inde. Ce point chaud a démarré sa vie en créant les montagnes de Mahabaleshwar, sous lesquelles repose une très vieille histoire. Cette gigantesque province de basalte est vieille de 65 millions d'années, et l'ensemble du massif est né d'une seule et même longue série d'éruptions. Ces mille feuilles de lave, empilées sur plus d'un kilomètre d'épaisseur, s'étalent aujourd'hui sur une surface grande comme trois fois la France.
Rongées par l'érosion du temps, les falaises qui enserrent les canyons sont devenues des livres ouverts sur le passé. La première page s'est donc écrite il y a 65 millions d'années. Si la végétation de l'époque pouvait ressembler à celle de nos forêts, la faune, elle, était considérablement différente. Depuis 200 millions d'années, les dinosaures régnaient sur la Terre. Leur suprématie était absolue et incontestée. Les tout premiers mammifères étaient incapables de vraiment s'épanouir sous la pression de leurs congénères, car les dinosaures avaient su conquérir tous les écosystèmes de la planète. Ils étaient devenus des spécialistes, chacun dans son domaine, chacun dans son milieu. Le gigantisme atteint après tant d'années de domination les contraignait à dévorer quotidiennement des quantités considérables de nourriture. En ces temps-là, les ressources paraissaient sans limite et la Terre ressemblait à un véritable jardin d'Éden. Aucun signe extérieur ne pouvait annoncer une fin aussi brutale et dramatique. Gigantesque au large du Mexique, a été pendant longtemps la seule catastrophe évoquée pour expliquer la fin des dinosaures. L'impact a effectivement soufflé tout ce qui était autour d'elle. Mais cette météorite n'aurait jamais pu anéantir l'ensemble du règne des dinosaures à elle seule. Fuyant les territoires sinistrés, les survivants se dirigeaient sans le savoir vers une mort certaine. Car ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que durant cette même période, de l'autre côté de la Terre, un second cataclysme naturel était en train de naître. Il y a 65 millions d'années, l'Inde était une île énorme qui venait de se décrocher de l'Afrique. Elle était devenue un morceau de continent à elle toute seule et commençait sa dérive vers le nord. C'est là qu'un événement majeur se préparait à empoisonner l'atmosphère. Un gigantesque réservoir de magma venait de percer la croûte terrestre pour commencer à se vider en surface. La Terre s'était ouverte pour libérer brusquement ce trop-plein d'énergie.
le monde des dinosaures assistait là à son dernier spectacle. La naissance d'un point chaud. Comment raconter la démesure d'un tel événement, quand jamais aucun homme n'a pu voir ou subir une si grande catastrophe? Il faut imaginer plusieurs millénaires pendant lesquels des éruptions intenses s'additionnaient les unes aux autres. Pendant près de 100 000 ans, l'Inde s'est fracturée et a été ensevelie sous des couches de peau épaisses et monstrueuses. Les montagnes gigantesques de basalte noir venaient de naître en Inde. Mais c'est toute la planète qui allait maintenant être touchée par les conséquences de cette tragédie. La quantité colossale de magma libérée en surface par le point chaud a laissé s'échapper dans l'atmosphère un cocktail chimique meurtrier. L'éruption a duré si longtemps qu'il est difficile de savoir comment les événements se sont précisément enchaînés. Mais on sait que l'horloge climatique globale s'est complètement déréglée. Les fines particules échappées des panaches de cendres ont été prises dans les grands courants aériens. Elles ont rapidement formé un voile opaque, plongeant le monde terrestre dans la pénombre. À plus long terme, les gaz soufrés qui rejoignent la haute atmosphère ont des conséquences dramatiques sur le climat. Dispersés sur l'ensemble du globe, ils absorbent et réfléchissent une partie du rayonnement solaire. Le soufre teinte les cieux de rouge pendant des millénaires et prive la Terre d'une partie de son énergie. En revanche, la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone sont, eux, des gaz à effet de serre. Une fois dispersés dans l'atmosphère, ils retiennent la chaleur de la Terre et augmentent sa température. Les échanges thermiques ont donc été complètement perturbés sur plusieurs millions d'années, et l'équilibre de l'ensemble du système climatique est devenu instable. Les saisons ont perdu leur rythme. Les périodes de sécheresse extrême ont alterné avec des pluies interminables, qui elles aussi sont devenues meurtrières. Le soufre et le chlore ont transformé les gouttes d'eau en un poison mortel. L'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique tombent maintenant du ciel et brûlent ceux qui tentaient encore de survivre au milieu de cette accumulation de catastrophes.
Aidée par une météorite de 1000 milliards de tonnes, la naissance du point chaud venait de faire table rase d'un monde de géants. Même si le débat reste encore brûlant, le rôle majeur d'une telle éruption ne peut plus être nié. L'épisode des dinosaures n'était pourtant qu'un début, car le point chaud venait seulement de naître. Il allait continuer sa vie en même temps qu'une lourde page de l'histoire était en train de se tourner. Une nouvelle ère devait commencer, une nouvelle vie devait renaître des cendres. Ceux qui ont su s'adapter au cataclysme de cette période du Crétacé avaient désormais la voie libre pour évoluer. Le principe du volcan est irréfutable. La destruction qu'il crée engendre un nouveau départ. Après l'extinction des dinosaures, l'Inde continuait sa dérive vers le nord. Le point chaud, lui, est resté au même endroit. L'énorme réservoir de magma a laissé passer la croûte terrestre au-dessus de lui. Alors quand l'Inde est partie rencontrer l'Asie, le point chaud s'est retrouvé en mer. C'est là, en plein océan Indien, qu'il a continué de transformer le monde et de jouer avec les êtres vivants. À 4000 mètres sous la surface, alors que rien ne semble pouvoir exister, la chaleur du point chaud est capable de créer des merveilles. La poche de magma invisible, tapie sous la plaine abyssale, réchauffe les eaux glacées pour construire des cités englouties. Il règne ici une obscurité absolue. La pression est colossale et les produits chimiques toxiques jaillissent d'une eau de mer brûlante. Pourtant, certains organismes réussissent à recréer des cités vivantes, sorties tout droit d'un autre monde. Des bactéries se développent au plus proche des bouches brûlantes. Elles baignent dans des eaux à plus de 300 degrés et s'agglutinent en voiles blanchâtres sur les parois des cathédrales empoisonnées. Privées de l'énergie lumineuse, les bactéries transforment le soufre en sucre comestible. Elles deviennent ainsi le premier maillon d'une nouvelle chaîne alimentaire. Les larves et les œufs des organismes abyssaux dérivent dans les grands courants qui courent sur le fond de tous les océans. C'est ainsi qu'ils peuvent coloniser ces oasis complètement isolées. Ils se déplacent d'un fumeur noir jusqu'à un autre. Au hasard des rencontres, les espèces échouent sur de nouveaux îlots, de nouveaux édens chauffés par le magma souterrain. Aussi extrême soit-il, l'environnement qu'offre le point chaud peut donc devenir favorable au développement d'une vie qui semblait pourtant improbable.
Les organismes qui habitent ici sont supposés être des groupes survivants d'époques géologiques anciennes. Ils auraient trouvé refuge en s'enfonçant dans les abysses pour échapper aux grands bouleversements du monde extérieur. Ces cités vivantes ne sont qu'une étape dans la vie sous-marine du point chaud. Mais elles rappellent une histoire beaucoup plus ancienne, qui nous fait remonter bien avant la disparition des dinosaures. Avant les premiers dinosaures, avant les premiers animaux, avant la première goutte de vie, les volcans sous-marins étaient déjà là, au fond d'un océan primitif. À cette époque, les pluies de météorites apportaient constamment une nouvelle matière dans cette soupe stérile. Alors que la Terre était encore déserte, les corps célestes ont apporté un lot de nouvelles molécules qui sont parties se disperser dans l'immensité de l'océan. Les cheminées profondes des volcans sous-marins de l'époque ont alors sans doute joué le rôle de grands incubateurs. L'énergie considérable qu'ils dégageaient aurait favorisé l'assemblage de différents éléments pour que puisse exister, à terme, une molécule invraisemblable. Une molécule capable de se répliquer. L'ADN. C'était le commencement de la vie. Sortie des forges du volcan, cette molécule lançait le long processus d'évolution. À force de hasard et de nécessité, les premiers êtres vivants allaient pouvoir s'épanouir. Les espèces allaient se relayer jusqu'à nous faire exister. Nous sommes tous nés avec cette même molécule, héritée du même ancêtre commun. On trouve dans la nuit des océans qui baignent le point chaud des êtres chimériques qui peuvent nous raconter une partie de cette histoire. Ils jouent continuellement une pièce universelle, celle d'une nature en recherche constante de nouveautés pour pouvoir s'adapter. Les abysses deviennent alors le théâtre du jeu infini de l'innovation. Thank you.
Pendant 3 milliards d'années, la vie s'est débattue dans l'eau. Elle a subi des changements considérables et a résisté à toutes les conditions pour traverser les âges. Elle a toujours su trouver de nouvelles stratégies pour survivre et continuer ce long chemin d'évolution. À l'image de ses ancêtres, le jeune point chaud de l'océan Indien entretient des cités vivantes. Il permet à tout un peuple d'exister. Mais ce monde grouillant est éphémère. Les oasis de vie extraordinaires au milieu du désert noir des abysses ne sont que la partie visible d'un volcan qui sommeille. Point chaud est toujours plein d'un magma qui cherche à traverser la croûte océanique pour s'échapper. Le principe du volcan est à nouveau en marche. Détruire l'environnement qu'il a créé pour en bâtir un autre. Il entame alors une remontée presque interminable vers la surface. La surface est à 4000 mètres au-dessus du fond. Il fabrique donc un premier socle qui constitue les fondations d'une véritable montagne. Accompagné par quelques rares fantômes abyssaux, le point chaud fait grimper son volcan. Pendant des siècles, pendant des millénaires, sans que rien ne l'arrête. De son escalade vers l'air libre, il change d'état. Plus on s'approche de la surface, moins la pression est forte et plus les explosions peuvent prendre de l'ampleur. Il déborde. Il éclate. Il explose et il teinte l'eau de soufre pour annoncer son arrivée. Enfin, après 4 km d'ascension, comme une libération après tant d'efforts, le volcan sort des ténèbres pour venir toucher le ciel. Au large de toute terre habitée, le point chaud est sorti des eaux et se lance dans une nouvelle histoire. Il a créé cet objet de curiosité unique qui ponctue l'océan. Une île.
Maintenant que l'île est hors de l'eau, un combat sans fin s'engage entre la mer et la terre. La puissance des vagues est une nouvelle donnée pour le volcan qui veut continuer de grandir. La montagne gigantesque cachée sous la mer soulève une houle destructrice et le long travail de construction peut se voir réduit à néant par un seul train de houle. Quelle que soit la mer, quel que soit l'océan, le ressac cherche à dévorer la côte. L'île nouvelle s'écroulera plusieurs fois dispersée dans l'océan. Elle disparaîtra noyée sous les tempêtes avant d'avoir un cap, un roc ou une péninsule qui pourra faire face aux murs liquides qui l'assaillent. Le réservoir de magma qui alimente le point chaud semble inépuisable. C'est ce qui fait sa force. Tant qu'il sera là pour alimenter le volcan, l'île pourra exister et une terre vierge sera alors offerte à de nouveaux pionniers. À force d'endurance, les éléments extérieurs peuvent devenir des alliés. La pluie de passage, le vent et le soleil vont chacun à leur tour apporter une pierre à l'édifice de l'île pour qu'elle devienne fertile. La lave est pleine de minéraux qu'il faut savoir extraire pour pouvoir s'en nourrir. La colonisation d'une île océanique est un long processus qui fonctionne avec l'usure du temps. Thank you.
Après les premières spores et les premières graines légères apportées par le vent, l'île commence à s'étoffer et peut accueillir ses premiers visiteurs. Les oiseaux sont les seuls descendants directs des dinosaures. Personne ne sait vraiment ni comment ni pourquoi ils ont survécu, mais leurs plumes les ont sûrement aidés à supporter les grands bouleversements climatiques. L'épaisseur du plumage peut former une couche isolante permettant de se protéger des variations de température. Aujourd'hui, ils ont évolué et certains se sont adaptés pour être les premiers à poser le pied sur les îles volcans. Ils apportent maintenant dans leurs plumes une collection de nouvelles graines qui viendront bientôt enrichir ce sol encore hostile. Dépourvus de tout prédateur, les oiseaux de mer posent leurs œufs à même le sol. L'île Nouvelle est un lieu parfait pour ceux qui viennent se reposer et se reproduire. Les colonies se développent rapidement, car le volcan généreux leur offre plus qu'un simple pied-à-terre. Tout autour de l'île, les oiseaux peuvent piocher dans un garde-manger qui semble inépuisable. Depuis que le volcan est sorti des abysses, la lumière touche les flancs sous-marins de l'île et permet le développement d'une nouvelle cité vivante. Tous les organismes en dérive dans l'océan tentent de s'accrocher sur le basalte tout juste refroidi. Des premières plaques calcaires colorées apparaissent sur les blocs proches de la surface. Ce sont les premiers coraux qui trouvent un port d'attache parfait tout autour de la côte. Ils ont besoin d'un point pour se fixer et capter l'énergie vitale du soleil. La couleur gagne progressivement sur la pierre noire. Quand les eaux vertes et laiteuses se dissipent, le soleil peut pénétrer plus profondément et le récif de corail s'agrandit un peu plus. Les coraux s'organisent en colonies depuis plus de 2 milliards d'années. En évoluant, ils sont devenus capables de construire de véritables forêts tropicales sous-marines, des cités hautement complexes qui abritent des milliers d'espèces. Toutes étaient en dérive dans l'immensité de l'océan avant de rencontrer cette île nouvelle. Le soleil n'est pas la seule source d'énergie qui permet à ce complexe merveilleux de se construire. Un autre phénomène permet d'aller encore plus loin dans la diversité qui gravite autour du volcan. Car ce récif de corail n'est qu'une couronne d'épines plantée sur le sommet de la montagne. À son pied, il y a un vide de 4000 mètres qui tombe droit dans les abysses. Le point chaud a transformé le paysage sous-marin. La montagne qu'il a créée forme un mur qui fait remonter les grands courants profonds le long de ses tombants. Ces courants sont chargés de nutriments, de minéraux et de larves planctoniques qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Comme autour des cheminées abyssales, le premier maillon attire successivement tout le reste des prédateurs. Et le volcan récif devient à son tour une oasis de vie, au beau milieu du désert liquide.
L'île volcan est devenue une mer nourricière, à terre comme sous la mer. C'est un lieu de rencontre et de ralliement, un repère où tout le monde est sûr de trouver de quoi se nourrir. Elle rassemble les âmes perdues qui errent dans l'océan. Elle accueille les naufragés venus d'un autre monde. Cette terre d'accueil n'a pas fini de se transformer. Pendant plusieurs millions d'années, le point chaud alimente son île et continue son long travail de bâtisseur. La chambre magmatique se modifie au cours du temps, le magma lui-même change de composition, et les coulées de lave cèdent parfois la place aux éruptions explosives. Rien de comparable avec l'extinction des dinosaures, mais les tonnes de cendres transportées dans les panaches qui bourgeonnent peuvent rapidement faire revenir le désordre et la confusion. La pression parfois trop forte dans le cœur du volcan expulse violemment le magma et les gaz. La lave n'a pas le temps de s'écouler. Elle est projetée avec une telle force qu'elle se fragmente en une quantité infinie de particules fines. Emportée par le vent, les explosions successives étouffent progressivement les alentours du volcan d'une cendre tiède et corrosive. Même dans les pires conditions, certains survivants du passé ont réussi à s'adapter et à profiter de la force des volcans pour continuer d'exister. Les mégapodes ont un point commun étonnant avec leurs ancêtres dinosaures. Ce sont les seuls oiseaux sur Terre à ne pas couver leurs œufs. Ces grosses poules noires utilisent le volcan comme une couveuse naturelle. Leurs larges pattes creusent des trous profonds jusqu'à trouver la température idéale dans la cendre tiède. Elles y déposent alors chacune un œuf énorme, dont elles ne s'occuperont plus. Si la température le permet, certains de ces mégapodes choisissent de laisser leur œuf poser simplement sur la cendre. Mais l'île qui a maintenant vu débarquer sur ses côtes de nouveaux prédateurs ne permet plus aux oiseaux d'adopter une telle stratégie. L'œuf est énorme parce qu'il contient un jaune suffisamment riche pour pouvoir faire naître un poussin précoce. Un jeune qui aurait dû être capable de voler immédiatement après l'éclosion.
L'image de ces varans opportunistes semble avoir traversé le temps. Les reptiles étaient contemporains des dinosaures. Ils ont survécu parce qu'ils étaient sans doute capables d'adapter leur alimentation aux ressources immédiatement disponibles. À force d'éruptions faites de cendres ou de lave, l'île continue de gagner sur la mer. Elle atteint une telle taille que certains versants restent maintenant protégés des éruptions. Sur les anciens cratères, la végétation continue de s'ancrer dans la pierre. Ce qu'il manque encore à ces lieux pour devenir un véritable Éden, c'est une forêt vierge, une jungle. Alors, un des derniers colonisateurs, aboutissement étonnant d'une longue branche évolutive, va devenir une clé pour la régénération et le maintien en profondeur de la forêt. Les chauves-souris sont les seuls mammifères à pouvoir coloniser une île océanique. Elles ont été le plus souvent transportées par les tempêtes qui courent sur l'océan. Celles qui ont eu la chance de trouver une terre ferme vont maintenant la transformer. En dévorant les fruits, elles absorbent les graines qu'elles dispersent ensuite au hasard de leur vol. Ce principe de dissémination est essentiel dans un environnement en perpétuelle reconstruction. Si les chauves-souris géantes comme ces roussettes ne craignent pas les rayons du soleil, la majorité de ces mammifères volants est nocturne. Et pour les accueillir, l'île Volcan fabrique elle-même des refuges parfaits. Les coulées de lave ont sculpté des tunnels profonds dans le cœur même de l'île. Les toits de basalte fondus sont les témoins de la chaleur qui a régné ici.
Ces galeries peuvent s'étirer sur des kilomètres. Elles alimentent une vie souterraine plongée dans une obscurité totale. Le plus important pour la régénération de la forêt, c'est le nombre de ces chauves-souris. Chaque soir, elles se regroupent dans la plus grande salle du réseau. Elles s'activent, elles s'épouillent, elles s'excitent. Elles ont faim. L'armée des petites fées, guidées par leur sonar et leur instinct, se relaye de jour comme de nuit pour dévorer les fruits de la forêt et disséminer leurs graines. Certaines plongent leur langue dans le calice des fleurs, jouant le rôle de pollinisateurs. La forêt s'épaissit et peut prendre enfin le dessus sur la roche volcanique. La végétation, de plus en plus dense, grignote autant qu'elle peut les pentes du volcan. Même si le point chaud fait naître une île immense, la forêt monte avec elle, à la rencontre des nuages. L'humidité constante en altitude aide à son tour la forêt à se tonifier. Le point chaud se voit enfin coiffé d'une jungle, tropicale et humide. L'île n'a pas eu le temps de fabriquer assez de terres meubles pour absorber toute cette eau.
La pluie qui tombe quotidiennement sur les sommets de la montagne glisse sur la roche encore jeune. Elle s'infiltre dans les fissures et le dédale de blocs basaltiques. Le cycle de l'eau est rapide sur l'île Volcan, rien ne peut l'arrêter. Il sculpte alors un nouveau paysage. L'eau, source de vie, est à double tranchant quand elle tombe sur une île fragile. Chaque averse se transforme en un coup d'épée profond dans la roche. Les trombes d'eau qui s'abattent sous les grains s'unissent pour former des torrents en crue et ouvrent de vraies saignées dans le cœur de l'île. L'eau nourricière devient destructrice. Elle martèle la pierre pour arracher un peu plus de matière qu'elle emporte avec elle dans sa folle descente sur les flancs du volcan. Les berges sont emportées et une boucle est bouclée. La lave qui autrefois a construit une île en partant des abysses se voit maintenant rejetée en mer, dispersée en un nuage qui retombe déjà sur le fond. Les vieux cratères ont été creusés et façonnés pour donner un visage à cette île. Elle est devenue cette image d'Épinal du repaire de pirates, perdu en plein océan. Une île vierge et luxuriante où cohabitent des milliers d'espèces uniques et rares. Un paradis oublié fait de pitons, de remparts, de cirques, de têtes de roches, de trésors et de grottes. Cette île en particulier, c'est l'île de la Réunion. Elle n'a que 3 millions d'années, et pourtant elle culmine déjà à plus de 3000 mètres au-dessus de la mer. Le plus haut sommet de l'océan Indien. Sa base repose par 4000 mètres de fond. C'est donc une montagne de plus de 7000 mètres que le point chaud a fait naître. Le Piton de la Fournaise est le nom du plus jeune cratère par lequel l'île continue de se transformer et de s'agrandir. L'île de la Réunion est la petite dernière d'une longue lignée. Depuis la disparition des dinosaures, le point chaud a fait naître au cours de sa longue vie une ribambelle de monts sous-marins et de nouvelles terres vierges sur plus de 6000 km en plein océan Indien. Ce véritable chalumeau a poinçonné la croûte terrestre, laissant une trace précise de chaque manifestation. Avant la Réunion, il y a eu l'île Maurice. Elle est sortie de l'eau 5 millions d'années avant sa petite sœur. Plus on remonte vers le nord, plus on remonte le temps. L'archipel des Chagos est né il y a 45 millions d'années. Au-dessus des Chagos encore, un autre archipel immense s'étale jusque sur les côtes de l'Inde. Les Maldives. Ce sont les premières îles que le point chaud a fait naître. Des montagnes noires couvertes de forêts vierges, il ne reste aujourd'hui en surface que des îlots à peine plus hauts que la mer. Des plages de sable blanc baignées de soleil et d'eau transparente.
Les Maldives ne dominent plus l'océan. Au contraire, ce n'est plus qu'un ensemble de récifs coralliens et de lagons turquoises. Où sont passées les îles du Point Chaud? Où sont passées la cendre et le basalte noir? Que sont devenus les plantes et les animaux qui s'étaient installés sur les îles désertes? Tout a sombré. Une fois que le Point Chaud n'est plus là pour alimenter son île, elle se fait ronger par la force des éléments sans pouvoir se défendre. La montagne, inerte, s'affaisse sous son propre poids. Elle s'écroule comme un château de sable et disparaît des cartes. Tel est l'avenir des îles qui naissent d'un point chaud, des paradis terrestres éphémères destinés à être engloutis. Seul le récif corallien se maintient proche de la surface, construisant lui-même son propre support de calcaire. Les coraux poussent les uns sur les autres pour garder le contact avec le soleil nécessaire à leur survie. Ils s'appuient sur les flancs de la montagne sous-marine et le corail mort se transforme en sable blanc qui soude l'ensemble de la barrière corallienne. Par le jeu des courants, le sable fabrique des dunes sur lesquelles viennent s'échouer quelques graines. Un nouveau cycle recommence. Le sable blanc des coraux morts a remplacé le sable noir du volcan. L'île engloutie devient alors une nouvelle terre d'accueil et de repos pour les derniers pionniers que l'évolution a vu naître. Le plancher océanique continue sa dérive et le Point Chaud se lancera bientôt dans la construction d'une nouvelle île, laissant derrière lui la Réunion. Elle s'affaissera doucement elle aussi. Les tempêtes viendront désagréger sa côte jusqu'à ce que l'île entière disparaisse sous les flots. Mais combien de temps lui reste-t-il à se tenir debout ? 10, 20, 50 millions d'années peut-être. À l'échelle de la vie d'un homme, ou même de plusieurs générations, la disparition de la Réunion semble bien loin. L'échelle des temps géologiques est abstraite pour une humanité qui vient de naître. Alors quand l'homme a découvert les îles du Point Chaud, il y a vu immédiatement de nouvelles terres vierges qui lui étaient offertes. Les premiers découvreurs parlaient de milliers de perruches et de perroquets, de millions de tortues terrestres et de colonies de flamants roses. Ils ont également décrit des espèces qu'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Le Point Chaud a fait naître des îles si éloignées du reste du monde terrestre que l'isolement avait transformé ses habitants.
Les espèces colonisatrices se sont adaptées à la nourriture disponible et aux rares prédateurs autour d'eux. Elles se sont spécialisées jusqu'à devenir uniques. Alors quand l'homme a débarqué sur leur île, il a tout de suite créé un déséquilibre profond dans cet écosystème coupé du monde qui évoluait lentement depuis quelques millions d'années. Le mammifère carnivore que nous sommes a rapidement compris que les terres volcaniques étaient riches et fertiles. Les minéraux extraits au cours du temps sont un engrais incomparable pour les champs de culture et les pâturages. Dans certains endroits, les colons européens ont même réussi à recréer un décor qui leur était familier. Depuis l'extinction des dinosaures, un nouveau temps a commencé. Celui que l'on appelle le temps moderne de la Terre. Libérés de la pression des géants du Jurassique, les mammifères ont rapidement profité des espaces disponibles pour s'épanouir. L'homme est celui qui a le mieux réussi et domine largement le reste de ses congénères. Finalement, la naissance du point chaud nous a permis à notre tour de conquérir l'ensemble des écosystèmes. Nous sommes, en quelque sorte, les nouveaux dinosaures. Le point chaud sous la Réunion n'est plus vraiment dangereux aujourd'hui. Les éruptions du Piton de la Fournaise ne menacent pas directement notre suprématie. Mais à force d'étendre sa toile, l'homme se retrouve à la merci d'autres points chauds qui bouillonnent sous la croûte terrestre. Car la Réunion n'est pas le seul au monde. Il y a sur l'ensemble du globe les traces de plusieurs autres points chauds qui ont provoqué, avant l'ère des dinosaures, des vagues d'extinction massive d'espèces. Plusieurs fois sur la Terre, une partie de la vie a été anéantie, les cartes redistribuées pour repartir sur de nouvelles bases et donner leur chance à de nouvelles formes de vie. En Sibérie, la naissance d'un point chaud aurait fait disparaître plus de 90% des espèces sur Terre il y a 250 millions d'années. D'autres ont fait naître les archipels d'Hawaï, des Galapagos, des Canaries, du Cap-Vert. Tous n'ont pas provoqué le chaos sur la Terre,
Mais l'homme se demande aujourd'hui si lui aussi peut se voir effacé de la carte par un de ces grands événements volcaniques. L'Islande a été particulièrement inquiétante récemment. Le point chaud qui l'a fait naître est placé sur la séparation entre deux grandes plaques océaniques, ce qui provoque une double activité sur l'île. Les éruptions sont fréquentes en Islande, mais le volcan Eyjafjallajökull a réveillé les craintes d'un monde qui s'est révélé soudain fragile. Ce volcan au nom imprononçable a envoyé dans les airs un nuage de cendres au milieu d'un des trafics aériens les plus denses du monde. Il a coupé les ponts entre l'Europe et l'Amérique pendant 6 jours. Aucun avion ne pouvait décoller. Cette paralysie a inquiété toutes les bourses du monde. Le secteur touristique a perdu plus d'1 milliard d'euros. L'Afrique a dû détruire ses fleurs, ses légumes et ses poissons qui pourrissaient dans les entrepôts. Les grands événements sportifs ont été décalés faute de participants. Les dirigeants des grands pays ont annulé leurs déplacements. Mais il y a plus évident encore pour montrer quelle puissance repose sous nos pieds. Car le point chaud islandais, lui aussi, a su perturber le climat. Il y a un peu plus de 2 siècles, la Terre s'est ouverte sur 30 km pour faire naître la chaîne du Laki. L'éruption a duré 8 mois, tuant la majorité des cheptels de bétail et 20% de la population islandaise. De mémoire d'homme, c'est la pire catastrophe naturelle survenue dans le pays. Comme à l'époque des dinosaures, les conséquences de l'éruption du Laki sont allées bien au-delà des frontières islandaises. Les gaz, les cendres et les brouillards acides ont pollué l'atmosphère jusqu'en Europe. Dans les mois qui ont suivi l'éruption, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France ont tous observé un taux de mortalité excessivement élevé. Les saisons se sont déréglées pendant plusieurs années. Le gel pouvait durer des semaines. Les orages trop violents massacraient les récoltes sous les pluies de grêlons. Ce phénomène a été si important qu'on lui attribue parfois le déclenchement des troubles qui allaient conduire à la Révolution française. La famine aurait gagné les champs des paysans, augmentant la colère qui grandissait déjà dans les campagnes. Le point chaud islandais n'est sûrement pas le seul responsable, mais la coïncidence est étonnante. Comme au temps des dinosaures, une nouvelle page était en train de se tourner. Inévitablement, l'homme intelligent, craignant le pire pour son hégémonie, a mis aujourd'hui la Terre sur écoute. Face à une telle problématique, il installe ses capteurs partout où il y a des volcans. Il cherche à pénétrer ce monde mystérieux qui le fascine autant qu'il l'effraie. Les points chauds sont devenus des lieux privilégiés d'observation, des lieux stratégiques pour implanter les machines scientifiques. Elles sont capables de lire la moindre vibration de la Terre, de voir en profondeur les mouvements de magma, de mesurer à distance les températures et les gaz émis. Les points chauds sont photographiés, filmés et mesurés quotidiennement. Les éruptions comme celle du Laki en Islande sont attendues tous les millénaires. La prochaine perturbera sans doute sérieusement l'équilibre,
mais il y a peu de chances qu'elle entraîne une extinction massive de la vie sur la Terre. Ce que l'homme a compris en lisant dans la roche et dans le passé, c'est que l'épanage de magma s'échappe du noyau tous les 30 millions d'années en moyenne. Quand la tête géante du panache perce la surface, c'est la naissance du point chaud. C'est elle qui peut perturber l'histoire de l'évolution. La suite de sa vie n'est faite que d'éruptions minimes en comparaison. C'est donc la prochaine naissance d'un point chaud qui pourrait vraiment inquiéter l'avenir de l'humanité. C'est un événement qui arrivera, inéluctablement. Mais les outils et les connaissances scientifiques nous permettront de prévoir l'arrivée du prochain point chaud, 1 million d'années avant le début de son éruption. Où en serons-nous dans 1 million d'années, ou même dans 100 000 ans? Si l'homme est encore là, il devra alors effectivement faire face à un grand bouleversement. On peut imaginer un hiver volcanique terrible qui engendrera des famines, des épidémies, des guerres. Mais on peut aussi croire à un nouveau départ, à une chance pour de nouveaux pionniers. Si l'humanité ne se sort pas indemne du prochain cataclysme volcanique, il faudrait pouvoir s'en consoler, car ce ne sera que la fin d'une ère et le début d'une autre. La nature, elle, continuera son évolution.